Aujourd'hui, je te propose de réaliser une papillote de poulet. J'adore cette méthode de cuisson pour cuire le poulet, tu vois, c'est vraiment super bon. Alors, je vais commencer par couper les légumes. Donc, je coupe du poivron et de la courgette en petits cubes et je vais couper des aiguillettes de poulet. Moi, j'aime bien les aiguillettes de poulet parce que ça cuit rapidement et ça reste bien moelleux après cuisson. Une fois que j'ai coupé les légumes, je les répartis dans les papillotes. Je vais ajouter le poulet, j'ajoute quelques petites tomates cerises. Je mets aussi un peu d'oignon vert. Et là, tu peux aussi mettre, pourquoi pas, des olives, des épices, des herbes fraîches. Tu mets vraiment ce que tu veux. Moi, j'aime bien y ajouter aussi un petit peu de crème liquide, mais tu peux très bien mettre de l'huile d'olive. Ou vraiment, pour une version encore plus diététique, tu peux ne rien mettre. Bien sûr, j'oublie pas d'assaisonner avec du sel et du poivre. Je vais bien mélanger les papillotes. J'ai plus qu'à couvrir et je vais mettre ça à cuire à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Et tu vas voir, cette cuisson en papillote, ça permet d'avoir un poulet qui reste bien moelleux, pas sec du tout, et c'est vraiment super bon.